Algeria have had little to celebrate since the last time they were crowned Africa Cup of Nations champions in 1990. However, their qualification for the 2014 FIFA World Cup sparked wild scenes last November, and both fans and players are looking forward to appearing at successive finals for the second time. Très, très impatient. Très impatient parce que cette Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde spéciale. Elle se déroule au Brésil, dans le pays du football. Même si c'est l'Angleterre qui a créé le football, le Brésil l'a enjolivé, on va dire. Et en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience et avec beaucoup d'enthousiasme. Et j'espère que ce sera une grande fête là-bas. Algeria is the largest country in Africa, covering 2.38 million square kilometers, an area nearly four times the size of Texas. But 80% of the country is covered by sand, as a large area in the south of the country is part of the Sahara Desert. Temperatures in this region have reached over 50 degrees. The north is cut off from the desert by mountains and fertile valleys. Algeria's main export is petroleum and natural gas. Football arrived just before the turn of the 20th century, introduced by European settlers. Bonjour. It is now the country's most popular sport. The nation's football team is nicknamed Les Fennecs, or the Desert Foxes. Their first recognised international took place in 1963. Notable clubs include JS Kabylie, MC Alger, and Entente Sportive de Sétif. And when they are not watching their favourite football team, many Algerians like to play dominoes. The Algerians have been toppled at the first hurdle in each of their three previous FIFA World Cup appearances. They made a remarkable debut in 1982, becoming the first African nation to beat European opposition at the finals when they shocked West Germany. Despite another victory against Chile, the Algerians were eliminated after the Germans defeated Austria 1-0. Algeria also qualified in 1986, but then had to wait another 24 years before they travelled south for the 2010 tournament. Again, they drew a blank and departed South Africa without scoring a single goal. C'est vrai, au départ, quand j'arrivais, j'ai vu l'équipe qui ont fait Coupe du Monde Afrique du Sud. J'ai trouvé démoralisé, j'ai compris qu'il fallait changer, renouveler cette équipe. Et cette renouvelation que je fais à plusieurs étapes, au départ doucement, pour moi, c'est un grand, grand espoir de l'équipe de jeunes algériennes. Parce que cette équipe, il était complètement renouvelée depuis 2 ans et demi. Et pour ça, cette qualification, c'est un bon succès pour l'équipe. Vahid Halil Hodžić from Bosnia-Herzegovina has been in charge since June 2011. Previously coach of the Côte d'Ivoire, he discarded some well-established players, replacing them with a new generation of talent. L'entraîneur est quelqu'un qui a apporté de la discipline. Un jeu porté sur l'offensive, mais beaucoup de rigueur. Et c'est ce qu'il nous faut, je pense, en Algérie, à savoir beaucoup de rigueur et de la discipline, parce que les joueurs ont tendance à se reposer sur leurs acquis bien souvent. The coach sets up his team using either a 4-2-3-1 or a 4-3-3 formation. Majid Bouguerra is the key figure in defence, and Mehdi Larsen is likely to play in front of the defenders. Sofiane Feghouli is the playmaker, while Islam Slimani was Algeria's top scorer in qualifying. Long balls created a higher percentage of their goals than any of the other finalists. ان عندنا حاليا منتخب يعني مكون من عناصر اولا شابه عناصر كذلك في المستوى يعني الفردي خاصه عاليه اكثر من المنتخبات اللي كانت سبقتها
وخاصة يلعبوا في أندية في أوروبا، خاصة في أندية كبيرة مثل في إيطاليا جوفنتوس، في إسبانيا عندنا كثير لاعبين، ونظن هذا بالمستوى هذا اللاعبين نقدروا حقيقة نطمحوا في مشاركة أفضل من الأولى، لأن من زوجة كذلك في 2010 لما شاركنا. Algeria easily topped their qualifying group and faced Burkina Faso in the playoff round. Playing away in the first leg, the Algerians equalised twice before conceding a late penalty and losing 3-2. Voilà, j'ai eu la chance de marquer. C'était un but qui compte double à l'extérieur, donc un but très très important. J'étais d'une part très 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 heureux. Sur le moment du but, ça a été l'un de mes meilleurs moments de ma carrière quand j'ai marqué ce but. The return fixture was on the 19th of November 2013. The scheduled kick-off time was 7:30 in the evening, but the stadium in Blida was full before lunchtime. Tension était énorme parce que tout l'Algérie attend impatiemment ce match. C'était pas facile préparer ce match. On a beaucoup travaillé, je pensais aussi travailler pour un match comme ça. Même quand j'ai entraîné en club, même quand je joue Champions League, autant de petits détails, autant de préparation, ça a été énorme. Non, à la fin, c'est bien, c'est terminé, on est qualifié, on est tous fiers. Un petit peu même fatigué, mais on était très fiers de travail accompli. A 1-0 victory, courtesy of a scruffy rebound off Bougara, was enough to see the Algerians through on the away goals rule. Je crois qu'on est encore en train de célébrer. On attend avec impatience la Coupe du Monde pour pouvoir justement profiter de cette célébration. C'était vraiment quelque chose de spécial. Toute la nuit, le peuple algérien a profité de cette joie, de cette fête. Et c'était bien, ça nous a fait énormément plaisir, parce que rendre cette joie au peuple et les faire participer, ils étaient très stressés, mais je pense même pire que nous. Et quand le coup de sifflet final a retenti, c'était une délivrance. Fittingly, the goal scorer was the captain. Bougara has 60 caps and played every minute of Algeria's South Africa campaign. Le capitaine, c'est Majid. Majid, de par son vécu, son expérience, bien sûr qu'il est très important. Et puis, Majid, on l'apprécie tous, il est charismatique, il est simple. Et bien sûr que ses conseils, à nous les plus jeunes, sont très, très importants. Bougara leads his team into what looks like a stiff challenge in Group H. They face Belgium, Russia and Korea Republic. And it would be some achievement if they were to finally progress beyond the first stage. Je pense aujourd'hui la Belgique qui possède vraiment peut-être meilleure équipe parmi deux trois meilleures équipes d'Europe, possède grande individualité à l'image de Hazard que je connais de Lille. Pour ce qui est de la Russie, ils ont un entraîneur très très expérimenté avec Fabio Capello. Et pour ce qui est de la Corée du Sud, c'est une équipe qui en 2002 a été en demi-finale. Donc ce n'est pas anodin et ça va être un groupe difficile, ouvert, et on espère vraiment pouvoir faire quelque chose dans ce groupe-là. The Algerians will be based in Sorocaba near Sao Paulo and face Belgium in their opening game on June the 17th. They go to Porto Alegre for the meeting with the Koreans and play Russia on the 26th in Curitiba. طموحات كبيرة. إن حتى المدرب الوطني صرح من البداية لبل مسك المنتخب الوطني قال في كأس أفريقيا يوصل نصف نهائي ولا النهائي وفي كأس العالم لا يتأهل. يعني يفوت للدور الثاني وممكن حتى الربع نهائي. Vous savez, si je ne pense pas qu'on ne peut rien faire, bah je quitterai le football tout de suite. Je ne suis pas quelqu'un qui lâche comme ça. Je suis gagneur.
Même je suis conscient, je suis réaliste que l'équipe Algérie est moins forte qu'en Belgique, comme en Russie. Mais combien de fois j'ai vu qu'entre guillemets, petite équipe, ils ont gagné un grand favori. Et pour ça, il faut se préparer, il faut travailler, il faut garder espoir, tenter quelque chose pour avoir regret après. Parce qu'on n'a rien à perdre, on ne peut que gagner quelque chose.